Le but, ce n'est autre que c'est avoir la manière de se défendre face à des attaques terroristes. Parce qu'aujourd'hui, la ville est totalement menacée. Donc, ces gens que vous avez derrière moi, c'est des jeunes combattants qui sont totalement engagés pour défendre non seulement leur vie. Donc, on les amène à faire l'auto-formation avant d'être intégrés dans l'armée. Parce qu'à tout moment, parce qu'on a remarqué qu'avec les kamikazes et puis les attaques surprises, on les apprend à se défendre et comprendre comment prendre quelqu'un, un otage, et puis avoir des informations. Nous passons sensibiliser nos gens parce qu'il y a deux facteurs majeurs. Premièrement, si l'État ne fait pas vite, si en tout cas la médiation, si les accords ne sont pas appliqués, surtout le cantonnement, on risque de nous retrouver dans ce que vous avez dit, parce que les djihadistes sont dans tous les villages, sont au bord du fleuve, sont au sud du Goudron, on ne les connaît même pas. Donc ils peuvent passer à un recrutement que nous-mêmes nous ignorons, parce que nos jeunes gens sont exposés. Youssou, what the command? Agé hundal de ate bajir bo chindugu imana katir se norunde ngai. Agé ay sara lai. Iri kulir ga koi roi fonda foi bor ma koi ganga wali ma koi zipat. Nima? Ay no ma hinka jama wani gata ma agé hinne ka gori senir. Ay sinda zai gingan de halai far. Mahali gono iga marga hinne iga hau iga buwa seinga. Chimbo. Wadi nir sate. Mahali ma dabari amir kantone. Nasir kantone. Amane ga sinda isi muradu iri matia borla ale din chini. Tout au long de ma tournée, s'il y a un mot qui est revenu souvent dans la bouche des différentes populations, c'est le cantonnement, cantonnement. Pourquoi cantonnement? Pour deux raisons principales. D'abord, tant qu'il n'y a pas eu de cantonnement, on ne peut pas savoir qui est qui. Et ce que j'ai constaté, c'est que le banditisme, le brigandage, les coupeurs de route commencent à pulluler, les armes sont nombreuses. Donc la seule façon de pouvoir désarmer tous ces gens-là, c'est de pouvoir les cantonner et appliquer ce programme de DDR, à savoir désarmement, démobilisation, réinsertion et également intégration éventuellement dans d'autres secteurs de la vie publique. Et c'est ça qui, les textes que le gouvernement a pris vont nous aider également d'aller dans ce sens. Say you're my destiny, I don't know.